chaque ethnie a sa culture. Et la culture mandingue, c'est le Nyaka. C'est des journées sacrées qui sont en général organisées à l'occasion de la sortie. Je le conjugue au passé, à l'occasion de la sortie de filles, après une retraite d'un mois. Pendant ce mois-là, on avait une personne âgée qui connaît vraiment la culture mandingue, qui transmettait des messages, qui véhiculait des messages de sagesse, de fidélité et de comment se tenir au niveau de la société, au niveau de sa famille, comment gérer son ménage, le respect qu'il faut donner aux grandes personnes, à son mari, à sa belle famille. Et ce qu'elles organisent ce soir, ça s'appelle la danse du Nyaka. Le Nyaka, c'est une danse qui accompagne les circonscriptions féminines. Vous savez qu'avant, ce n'était pas interdit. Quand les femmes faisaient la circonscription, elles dansaient cette danse, elles chantaient également ces chants-là. Mais maintenant que c'est interdit, elles ont laissé tomber la circonscription, mais elles ont conservé la danse et les chants. C'est ça. C'est une tradition mandingue qui remonte de très loin. Nyaka, c'est ça. Suñu mami ko don def ak suñu bay ak suñu yaayi ak suñu mama ak mami ba ñi do ñu defal ñuko légui tam bi ñu magge ñu wax suñu dom fi do mu ñu magge dañ ko defal seen dom waye nak légui nguur ge ko tel ñu bay waye at ma dañ ñaar at ñu def ñaakaaji